Une question que vous m'avez posée, en fait, lorsque j'ai tourné, je deviens bodybuilder, dernier épisode, même l'avant-dernier épisode, j'ai expliqué en fait des petits soucis que j'ai eu, à savoir après l'arrêt des fruits. Donc, je trouve que je savais que ça allait arriver. De toute façon, il y a eu un dérèglement hormonal. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu arrêter totalement les fruits. J'ai pas arrêté la prépa, j'ai arrêté les fruits. Donc c'était pendant la période où j'étais avec le Lexine, qui en parallèle m'avait fait une prise de masse. Mais en fait, ce dérèglement hormonal, cette chute de testostérone, tout ce que tu veux, en fait, en gros, hein, pour parler clairement, ça a provoqué après, par la suite, des petits troubles tels que l'apparition de gras, des voilà. J'ai pas eu des soucis termes gynécomastie ou genre de choses, mais voilà, j'ai qualité musculaire qui était moindre. Par contre, je n'ai pas eu tous les symptômes, entre guillemets, symptômes. Quand je dis symptômes, c'est pas un terme médical, mais je veux dire tous les effets négatifs liés à cette chute de testo. À savoir que je n'ai pas perdu de force, je n'ai pas perdu d'agressivité, de niaque pour aller m'entraîner. Non, c'est juste que visuellement, j'étais dégueulasse. Voilà. Il a fallu que je fasse des analyses sanguines pour me rendre compte. Important de réaliser des prises de sang régulièrement, chose qui est encore très, 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 très souvent négligé, et pas forcément pour ceux qui prennent des fruits. Quand tu fais de la musculation, même si t'en fais pas, tu fais du sport ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de faire au moins une prise de sang par an pour faire un petit check-up, quoi, contrôler. Voilà. Alors, pourquoi je suis en train de faire cette vidéo-là? C'est une vidéo rapide, hein. J'ai arrêté les fruits pendant presque 4 mois. Presque 4 mois, c'est à 3 mois et quelques semaines, parce qu'il fallait que mon corps, je voulais qu'il revienne à la normale. C'est-à-dire que, comme vous le savez, hein, quand vous arrêtez ce genre de choses, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils essaient de laisser le corps repartir tout seul. Et si le corps ne repart pas tout seul, ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils utilisent des procédés, donc ils prennent encore des choses pour essayer de relancer le corps. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment essayer de revenir à la normale pour voir en fait concrètement ce qu'il est resté. Hein, donc voilà. Et de là, j'ai fait un bilan sanguin et le bilan sanguin n'était pas fameux, fameux. Donc je suis parti voir un endocrinologue qui analysait les choses, mais qui n'était pas aussi alarmiste que moi, il m'a rassuré. Et voilà. Donc l'idée de cette vidéo-là, c'est pas de te redire en fait tout ce que j'ai dit auparavant. La vidéo des 20 000 abonnés où je t'explique tous les soucis que j'ai eus et qui en dissuadit plus d'un de commencer ça. Et je suis très content parce que c'est l'objectif de cette vidéo-là. Hein. Comme je dis toujours, c'est une expérience que je vis pleinement, mais c'est pas quelque chose que je fais, entre guillemets, par fierté. Oui, j'aime bien le body, la transformation physique, j'aime bien aussi les expériences de ce type, mais voilà, c'est tout, basta. Je suis quelqu'un de normal, et puis je continue, je suis pas à mettre sur un piédestal, je suis pas un modèle. Faut juste, voilà, dire que bah, ce mec-là, il joue la carte de la transparence depuis le début, j'ai pas attendu que ce soit la mode pour le faire, hein, parce qu'il y en a qui ont attendu qu'on le dise, qu'on le fasse, qu'ils observaient un petit peu ce qui se passait par rapport à la communauté, pour ensuite se lancer. Ils sont rendus compte que finalement, presque, enfin, peut-être que être honnête, ça payait. Voilà. Donc je ne sais pas si ça paye vraiment, en tout cas, mais toujours est-il que voilà, moi, c'est mon objectif, c'est de vous partager tout ça. Concrètement, c'est vrai que on a tendance à dire que quand tu prends des fruits, tu as tendance, voilà, ça fait tout. Hein, j'ai vu ça encore récemment, et alors que moi, je disais qu'effectivement, il fallait déjà tout miser sur l'entraînement, la diète, et ensuite c'était la cerise sur le gâteau. À savoir que pour moi, ceux qui font l'inverse, c'est-à-dire qui commencent directement les fruits et puis qui après ils s'entraînent n'importe comment, etc., machin, généralement c'est quand ils s'arrêtent, ils perdent tout. Ça se voit, mais tous les jours. Je parle pas de génétique divine qui sont très très rares, mais ça existe, hein, des gens qui voilà qui ils prennent rapidement, etc. Je te parle vraiment de la majorité de ceux que je connais qui font ça n'importe comment. Quand ils arrêtent, ils perdent tout. Voilà. Tandis que moi, de base, déjà, j'avais déjà une structure musculaire. Quand ceux qui me connaissent en vrai, parce qu'en vidéo, vous ne vous rendez pas compte. Souvent, dans les salons, quand vous vous croisez, vous vous dites, putain, tu fais plus costaud qu'en vidéo. Parce que j'ai déjà une structure, une base. Je suis à 1,87 m, je tourne autour des 100 kilos en général. Et quand j'étais encore même naturel, avec Patrick Costolani, quand j'ai commencé, qui m'a bien nettoyé, j'étais encore à 96 kilos. Donc, je veux dire que tu me mets sur scène avec d'autres bodies, j'étais inexistant. Mais côté de monsieur lambda qui marche dans la rue, j'étais quand même, voilà, je ressortais quand même du lot. Tout ça pour dire que je n'ai jamais compté que sur ça. Alors après, voilà, c'est vrai que ça apporte des grands changements. Ça va pas te changer te transformer ton corps. Je veux dire par là, c'est que, encore une fois, je le répète, on l'a dit avec le Exine notamment, tu prends les insertions, elles resteront là. Tu as des muscles courts, ils resteront courts. C'est juste qu'en fait, tu vas avoir un effet plus plein. Tu vas avoir des effets, entre guillemets, secondaires qui sont favorable pour le coup, à savoir que tu vas peut-être développer des épaules alors que tu n'avais pas, alors que donc des épaules, les fameuses épaules de noix de coco, comme certains disent, des trapèzes, etc. Voilà, des hauts de pec, enfin, une sorte de choses. Mais je veux dire, ça ne va pas te transformer. Si tu as un physique de base
pourri, pardon clairement, il ne t'attend pas à être transformé, d'accord ? Il y a toujours des choses à faire, on peut toujours s'améliorer, rendre meilleur son corps, mais de là à être Mister Olympia, ils sont 15% dans la population éventuellement à pouvoir y prétendre, tu vois, donc c'est pas énorme. Donc il faut jamais penser que c'est magique, hein. C'est sûr, ça fait beaucoup de choses, ça aide beaucoup, et encore que faut savoir les utiliser, et puis il faut savoir aussi comment ton corps réagit, parce qu'encore une fois, ceux qui disent qu'ils s'y connaissent, ils appliquent des choses à tout le monde, et puis après ils testent, tu vois, on en a déjà parlé dans les podcasts, hein, on rappelle que ce sont des produits qui sont détournés en fonction première, donc on ne peut pas être sûr à 100% de ce que ça va provoquer. C'est juste qu'il se base sur une espèce de, voilà, ça fait plusieurs années que c'est utilisé, il a une certaine masse réagit comme ça avec tel protocole, donc du coup, voilà, ils appliquent ça à plus ou moins à tout le monde. Sauf que le problème, c'est que les gourous du net, notamment, ils vont appliquer ça à des mecs qui font 60 kilos comme à des mecs qui font 120 kilos, tu vois. C'est un peu dangereux. Donc de toute façon, c'est une pratique dangereuse, interdite, on le rappelle. Hein, donc je suis pas là pour faire la morale, en tout cas, je suis là pour rappeler les choses, hein, la réalité des choses, c'est ça. Voilà. Donc ça existe, c'est utilisé, de plus en plus utilisé d'ailleurs, mais c'est pas sans conséquence. Bref, après ceux qui pensent aussi que quand t'arrêtes, tu perds tout. Alors souvent je vois des vidéos sur internet, tu prends des bodybuilders, notamment des gros bodybuilders, et c'est vrai qu'il y a des transformations choquantes, à savoir que quand ils arrêtent, ils ressemblent plus à rien, hein, ils ont perdu tout. Tu prends par exemple le cas de Kevin Lebron, quand il a arrêté la musculation, les produits et tout, le mec il ressemblait à rien. En fait, c'est à dire que tu dis merde, on parle de structure des physiques qui sont avantageux, machin, et qu'après ça serait sur le gâteau, mais ces mecs là finalement ils ont plus rien à la fin. Ouais, mais bon, tous ceux qui ont été montrés en vidéo, ce sont des gens qui n'ont pas arrêté parce qu'ils ont voulu arrêter, tu vois. Ce sont des gens qui ont arrêté tout, même l'entraînement, parce qu'au bout d'un moment, leur corps était cassé. Il y a des gars pathologiques, des gars qui ont failli crever, ils ne peuvent plus s'entraîner, j'en connais, hein, qui ont eu des soucis au niveau du cœur, etc. Ils peuvent plus faire d'entraînement du tout. Donc forcément, si tu n'entraînes plus, tu as une fonte musculaire qui s'opère, et voilà. Donc il faut différencier les choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas arrêté l'entraînement. Déjà, ça, c'est un point. Je me suis entraîné tout le temps. J'ai maintenu une diète, hein, qui était, après, c'était une prise de masse, mais j'ai maintenu, donc, qui n'était pas forcément judicieuse à ce moment-là, mais ça, on ne savait pas à ce moment-là, parce qu'il fallait, voilà, passer par les prises de sang pour s'en rendre compte, réellement. Mais en tout cas, j'ai maintenu un entraînement régulier. Donc, je ne me suis pas arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu comme effet, en fait? Alors, faut savoir qu'en fait, le premier effet que j'ai constaté, c'est pas un effet que tu constates de suite. En fait, ce que tu prends, tu bénéficies encore des effets sur du long terme, plus ou moins, d'accord? Ça dépend de ce que tu as utilisé. Moi, c'est vrai que j'ai constaté vraiment une espèce de chute, entre guillemets, de certaines données, peut-être au bout de 2 mois. Tu vois, donc ça laisse encore un certain temps. Donc 4 mois presque d'arrêt de fruits, oui, mais les effets étaient encore visibles et se poursuivaient pendant quelques temps, tu vois. Et surtout qu'en plus, comme je maintenais un training régulier, je maintenais les performances que j'avais, du coup, ça forcément, ça limite, je pense. Il n'y a aucune valeur scientifique dans ce que je dis, hein. Je parle vraiment de mon expérience à moi. Ce que je vais dire là, ce n'est pas valable pour tout le monde, encore une fois. Non, on est d'accord. Je dis, moi, ce qui m'est arrivé. C'est vrai que je n'ai pas constaté donc, une fonte musculaire impressionnante, etc. Je pense que le muscle qui a été construit, acquis, il était là, hein, faut pas croire que parce que tu prends des fruits tu fais 15 kg de muscle par mois, hein, c'est pas possible, donc certains confondent, parce que certains me disent t'as pris combien de kilos, mais c'est pas le poids qui va faire que j'ai pris tant de muscles, d'accord. Tu prends de la flotte, tu prends du stock glycogène, etc. Et justement, ce que j'ai constaté après, au bout d'un certain temps, au bout de ces 2 mois, c'est que tu perds, donc tu fais moins bouffi, tu récupères au niveau du visage. Nathan Monzogor en a parlé, vous l'avez constaté aussi, tu t'affines en fait. Tu t'affines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ton corps stocke moins de, il y a moins de glycogène, il y a moins de tissus, elles sont moins remplis en fait, t'as moins cet effet rempli qu'avant. Et c'est là qui est important, c'est un impact psychologique parce que tu te sens moins gros, moins plein, moins, tu vois. Et donc du coup, certains vont te dire putain, c'est cool, t'as séché et tout, machin, mais en fait, non. Alors certains athlètes qui te disent pas qu'ils prennent des fruits, parce que voilà, ils ont des raisons de pas le dire, ils vont te dire qu'ils sont en période de voilà, je sèche ou petit régime, machin, alors qu'en fait du tout, ils ont une diète similaire quasiment, sauf qu'ils ont arrêté les produits et du coup bah, ça se voit visuellement, ça se voit par ça. En fait, en premier. Donc, tu perds pas du muscle, en proprement parler, tu perds, en fait, espèce cet effet plein, on va dire ça comme ça. Cet effet plein. Bon, c'est pas forcément facile pour certains. Moi, c'est un cap que j'ai passé depuis très longtemps. Je veux dire que ce genre de choses, c'est ça qui peut créer la dépendance. Moi, je m'en foutais. Je pensais plutôt à ma santé. Je voudrais que tout revienne à la normale, en fait. Dire que tu perds tout, non, en fait. Parce que ce que tu gagnes, ce qui est important de gagner, c'est du muscle, tu vois. C'est pas cet effet plein, c'est pas la flotte, etc., que tu as viré de toute façon avant de faire une compétition, tu vois, finalement, c'est ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, enfin, il faut pas se dire que parce que t'arrêtes, tu perds tout, tu perds pas tout. Et je pense que tant que tu t'entraînes, en tout cas pour mon cas personnel,
j'ai maintenu mon entraînement, j'ai maintenu une diète relativement propre, j'étais régulier à la salle, j'étais toujours motivé, j'avais toujours un objectif. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui limite grandement l'apparition de gras. Peut-être que j'en aurais eu encore plus que ça si j'avais arrêté complètement la musculation, comme certains bodybuilders l'ont pu le faire. Parce que c'est vrai que tu as les œstrogènes, je vais se rechercher sur internet tout ce que c'est, tout ça, hein, parce que tu aromatises, machin, etc. Donc, t'as, en gros, tu te transformes en gonzesse, finalement, presque. Donc, c'est un peu ça, hein, finalement, hein, tu vois. Attends, j'en connais certains, ils me disent, bah, moi, après ça, voilà, je regarde des films, je pleure comme une merde, voilà, je me dispute avec ma femme, je réagis comme une gonzesse, enfin, voilà, je fais des crises que je faisais pas avant, comme une nana, en fait. Donc, finalement, tu vois, des gros body, toi, tu prends des trucs pour, voilà, le viril, costaud, etc. Et puis, tu te retrouves après à être, l'impératrice, là, tu sais, avec des petites robes, etc., à la fin. Tu vois le truc, donc faut y penser à ça, tu vois, on n'en parle pas assez, mais faut y penser à l'après aussi. C'est bien beau, hein, pendant t'es content, tu te sens fort, machin, mais pense à l'après. Donc voilà, donc en fait, moi concrètement, oui, j'ai perdu donc du stock du glycogène, j'ai pas perdu de force, j'ai pas perdu de niaque, j'ai pas eu ce côté, voilà, pas envie d'aller m'entraîner, etc. Enfin voilà, je pense que c'est une fois lié au mental, quand t'as un objectif en tête, tu t'y maintiens. Ce qui fait qu'ensuite, là maintenant, je suis suivi en plus par un endocrinologue, je ferai une vidéo prochainement avec lui, encore l'année prochaine, on vous expliquera un petit peu tout ça, on fera appel à vous évidemment pour poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. Il y répondra bien volontiers parce qu'il suit pas mal de gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, et je pense que ce sera intéressant pour vous de voir la réalité des choses vue par un professionnel de la santé. C'est pas la diète que j'ai eue par contre qui a provoqué cet effet un peu prise de ventre, etc. Tu peux voir la photo sur Instagram, d'ailleurs j'ai mis une espèce d'avoir après, hein, une fois que Arnaud Pesant m'a récupéré, c'est en fait au niveau des normes ça remontait, hein, d'accord, donc les normes, le testostérone, etc., ça commençait à remonter, c'était pas trop mal. Puis c'est ensuite que je me suis relancé dans la préparation hardcore, comme certains diront, hein, je vous le dis tout depuis le début, je suis pas extrême non plus, c'est pas ça le but c'est de durer, c'est pas de crever dans 3 mois. De mon expérience, à chaque fois que j'ai arrêté, dans des périodes plus ou moins longues, voilà, j'ai toujours eu cet effet là. Alors au début t'avais cet effet du coup un peu psychologique ou dépendance, que tu te sentais fondre et tu pensais plutôt vivement que je reprenne, et puis en fait non, ça pue du tout, je l'ai passé depuis très longtemps ce cap là. Mais après par contre voilà, je constate à chaque fois effectivement, il faut se dire que tu perds cet effet plein, voilà, cet effet plein qui te voilà. Tu crois que c'est du t'es costaud, c'est du muscle que tu perds, qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout ça. Faut arrêter les croyances, les machins. Moi c'est du concret en fait, donc en tout cas je me base sur ma propre expérience, je me base aussi sur ce que j'observe par rapport aux autres que je connais, hein, parce qu'on communique beaucoup entre nous dans les réseaux sociaux ou en direct même aussi. Je pense que voilà, il faut arrêter de croire que ça fait tout. Ça fait beaucoup de choses, mais ça fait pas tout. Parce que c'est par exemple sur des études, une étude qui vient de je sais plus combien de temps, ouais, les mecs ils font rien, ils ont pris 8 kilos de muscle. Voilà, va voir Gundy, il t'expliquera un petit peu plus les choses. On en a déjà parlé dans les podcasts, hein. Il faut que tu remontes ça, je sais plus, ça remonte à combien de temps, mais on en a déjà parlé. Cette étude nous fait bien rire parce que ceux qui interprètent n'ont rien compris en fait à cette étude. Donc, toujours est-il que oui, ça fait beaucoup de choses. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qui provoquait. C'est l'arrêt le plus long que j'ai fait réellement en fait, hein, depuis que j'ai commencé. Et finalement, je constate que les pertes ont été minimes, puisque aussi compensées par aussi du fat qui a été arrivé. En fait, tu perds de la qualité, en fait, tout simplement. Tu perds de la qualité, un peu de volume, mais tu ne perds pas du muscle comme ça facilement. Donc, tu ne vas pas te retrouver du jour au lendemain comme certains bodies qui ont tout arrêté parce que, raison de santé, ils ne peuvent plus de tout s'entraîner, ils n'ont plus d'activité physique, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de diète, et ils ont un niveau hormonal qui est tout dégueulasse, tout pété, tout foireux. Donc, voilà, j'en étais pas encore là. Tu prends des mecs après comme Nathan Mozingo, par exemple, qui lui a arrêté aussi les produits, on va dire, la manière hard de s'entraîner, c'est pareil, il avait déjà une génétique, des insertions musculaires et un galbe qui était déjà présent avant. Il a perdu en termes de volume global, mais en proportion il a conservé plus ou moins la même chose, tu vois. Donc c'est après en termes de centimètres qu'il perd forcément, mais visuellement c'est toujours quelqu'un qui est, tu vois ce que je veux dire, dans ce sens là qu'il faut pas croire que des mecs qui ressemblent à rien, qui ont rien, qui vont après transformer le jour au lendemain, c'est faux. Un petit bilan, enfin un petit bilan par rapport à ça, parce qu'on m'a posé la question, donc j'y réponds volontiers. Donc ceux qui m'ont vu côtoyer encore une fois, qui trouvaient que j'avais pas trop perdu, bah si, j'ai perdu de la qualité, j'ai perdu du galbe aussi, tu perds du galbe, parce que t'es moins plein, t'es moins ceci, t'es moins cela, mais c'est quelque chose qui se récupère très très vite par la suite, évidemment,
mais il faut toujours s'entraîner. Ceux qui s'entraînent plus par la suite, c'est que ce sont des mecs qui ne comptent que sur ça. Donc voilà, moi je compte pas que sur ça. J'aime bien m'entraîner, j'aime bien aussi. J'ai un mental. En fait, il faut avoir un mental en fait dans ce milieu-là, si je pense. Et puis c'est pas tout. C'est vrai que les fruits, c'est une grande aide. Alors une aide, oui et non, positif, plutôt négatif d'ailleurs. Encore une fois, je fais référence à une vidéo que j'ai fait auparavant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour voir la suite de ma préparation. Tous les mois, avec Arnaud Plaisant, on fera des vidéos bilan. Suivez-moi sur Instagram aussi, je mets des photos régulièrement, je fais des lives, enfin voilà. Donc à bientôt, salut.